ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. وأسباب ما حصل لها من ضعف وتفرق الأمر الذي انعكس على أول المساس بديننا ووحدتنا، وبهذا يمكن لنا إن شاء الله قهرنا الغلو وإن بذلنا التفرقة. J'adresse mes remerciements les plus chaleureux à notre frère, le serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté le Roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. En tant que président nouvellement élu du Sénégal, ayant en charge la présidence en exercice de notre institution commune, je tends une main amicale à tous pour contribuer à la réalisation de nos idéaux partagés dans un esprit d'ouverture, de solidarité et de fraternité islamique. Je salue l'initiative de Sa Majesté et internationaux. Le monde musulman fait face à des défis multiples et complexes qui appellent de notre part des réponses urgentes et concertées. Aux problèmes économiques et sociaux qui affectent la grande majorité des pays membres de la Oumma islamique s'ajoutent des turbulences intérieures par la situation chaotique au nord Mali, où en quelques jours seulement, des groupes terroristes puissamment armés et organisés, un lieu de prédilection pour le recrutement et l'incubation morale portée à chaque musulman, et une atteinte grave au patrimoine, aux valeurs authentiques de l'islam. Au titre des mesures que nous devons prendre, je propose que notre sommet donne mention injuste et aux persécutions inacceptables d'un nombre de minorités musulmanes. Je pense à la situation en Palestine, raison d'être historique de notre organisation. Des terres fertiles et de l'eau en abondance. Nous avons des ressources humaines, technologiques et financières sans équivalent dans notre histoire. Père sera une umma où chaque musulman se sentira non un assistant. في مهبط الوحي وفي أطهر بقاع الأرض، ها هم قادة الأمة الإسلامية ورموزها يلبون دعوتكم يا خادم الحرمين الشريفين لحضور الاجتماع الاستثنائي على تضافر جهود المسلمين وتضامنهم أن يعزز المفاهيم التي تؤسس للعمل الإسلامي المشترك عن طريق التركيز على موضوع التضامن الإسلامي. الأولى هو توقيع الأمانة العامة للمنظمة مع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية دولة المقر